Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Oléana Medium. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le tirage jour du samedi 30 octobre 2020 avec, et comme toujours, et pour commencer, monsieur, le jeu 32. Allez, c'est parti, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bon, vous avez pu remarquer qu'il me reste encore 4 signes, hein. Ils sont là, hop hop hop, il m'en reste 4. Donc j'ai pas eu le temps de les faire aujourd'hui, j'en suis désolée. Donc ça sera demain, d'accord. Donc demain matin, sûr, il y en a 2 sûrs qui vont être là. Et peut-être 2 dans l'après-midi, comme ça, voilà. Je ne sais même plus ce qui me reste, comme signe. Oh là là, vers la tête, la mère au lait. Bon, en tous les cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc, on va regarder pour ce tirage du jour du samedi 30 octobre 2021. Donc, le chiffre 30, donc on enlève le 0, bien évidemment, et il reste le chiffre 3. Et le chiffre 3 en numérologie, ça va nous parler de quoi? Ça va nous parler de joie, de bonheur, en tous les cas je vous le souhaite. Donc c'est vrai que c'est un chiffre très très bénéfique en numérologie. Donc je le répète, je sais qu'il y en a, ça les fait marrer parce que je répète toujours la même chose, mais c'est pour celles et ceux qui arrivent et qui vont me dire après « Ah non Léana, moi ce que vous me dites, ça m'arrive jamais ». Non. Pourquoi ça n'arrive jamais? Alors pour certains ça arrive, pour d'autres non, parce que c'est du général, ainsi que la numérologie, donc c'est pas du personnalisé. Je ne sais pas quand est-ce que vous êtes né, le jour et le mois, quand on fait la numérologie, et bien sûr c'est pas concernant les tirages, ce sont des généraux, et donc non personnalisés, donc soit ça vous parle ou pas du tout, ou un petit peu, voilà. Donc le chiffre 3, joie, bonheur, ça peut nous parler par rapport à une relation sentimentale, ça peut nous parler par rapport à une offre de travail, une proposition de poste, pourquoi pas. Alors bien sûr, vous décalez hein, 3 jours avant, 3 jours après, par rapport à la lune. Donc voilà, c'est soit, là je vous fais pour le samedi 30 octobre 2021, bon, vous enlevez le dimanche, vous ne le comptez pas. Donc ça peut faire lundi et mardi, hein, samedi, lundi, mardi. Donc il peut y avoir des bonnes nouvelles concernant, pourquoi pas, dans le domaine sentimental, concernant peut-être de la joie, concernant un courrier que vous attendez, un remboursement, etc., etc. Le chiffre 3 vraiment va nous parler aussi pour certains et certaines d'invitations. Ça peut être une invitation pour ce week-end familial, une réunion familiale, une invitation, un repas de famille, etc. Donc, ou un anniversaire, vous allez fêter tout simplement. Et on nous parle aussi de ce chiffre 3, la bonne nouvelle pour certains et certaines. Si vous désirez être enceinte, vous pouvez, soit vous mesdames, tomber enceinte. Alors bien sûr, pour mesdames qui sont désireuses et qui sont toujours en âge d'avoir un bébé, bien évidemment. Et pour celles aussi qui le souhaitent hein, aussi. Donc ça, c'est OK pour la grossesse, mais, donc ça, c'est par rapport à vous, bien évidemment, mais vous pouvez apprendre une grossesse dans le domaine autour de vous, soit que ce soit amical, dans le domaine professionnel, une collègue qui vous annonce qu'elle est enceinte, ou un collègue qui va vous dire qu'il va être papa, ou dans le domaine familial, hein, c'est soit amical, c'est autour de vous, en fait, hein, tout simplement. Concernant la planète associée à ce samedi, c'est la planète Saturne. Et la planète Saturne, elle nous parle de retard, de durée, les choses qui vont se faire, mais dans le temps. Donc, s'il y a eu des petites... S'il y a eu, justement, si c'est par rapport à une procédure, par rapport à une situation qui vous tracassait, ben, grâce à ce chiffre 3, malgré ces retards, les choses vont se décanter et ça va vous apporter et vous faire du bien. Bon, tant mieux. Allez, zou, on y go, c'est parti. Mangeke. Donc, n'oubliez pas, je le répète, alors je vais le poster, je ferai bien évidemment, donc là je vous fais la totale, hein, tirage pour ce samedi 30 octobre 2021 avec tous les jeux, tirage du destin à gogo. Et sinon, donc le mercredi 3 novembre 2021, je serai en direct, un spécial live, bien sûr, concernant mon parcours depuis que j'étais toute petite. Donc, et je vous parlerai de cartomancie et un petit peu de défunts concernant les défunts et les esprits, concernant ma situation et en règle générale, tout simplement, d'accord. Et je vous parlerai aussi, je vous montrerai ce qu'il faudra bien évidemment faire, parce que je sais que vous avez été beaucoup à me le demander, j'ai vu dans les commentaires, concernant pour protéger sa maison, son appartement, etc., etc. C'est 3 choses qu'il faut chez vous absolument. Alors l'idéal, je vous le redirai, mais il y a vraiment une chose qui est très... Enfin, c'est les 3 choses, vous verrez, c'est les 3 choses, vous verrez. D'accord. Donc, on va se faire un petit live sympa, tranquillou, tranquillou. Et puis, on verra bien ce qui se passera. Donc, voilà. Quand je dis ça, c'est pas pour rien. Vous pourrez, risquerez d'entendre du bruit. Mais vous verrez bien. Regardez, j'ai 4 cartes qui se sont retournées. On nous parle de nouveautés, on nous parle de quelque chose de renouveau, on redémarre quelque chose. Il y a eu des choses qui ont été retardées, donc on est en plein dedans. On parlait de la planète Saturne. Ça peut nous parler d'un fils.
d'un frère ou d'un meilleur ami qui peut être justement une situation de mutation, une envie de déménager, pourquoi pas une envie de partir à l'étranger, ou alors vous avez un enfant hein, tout simplement, ou un frère ou un ami qui avait l'intention ou qui a l'intention ou qui se projette de déménager ou carrément de partir à l'étranger ou de changer de région. On peut vous l'annoncer pour ce week-end, pour ce samedi, vous allez peut-être avoir un enfant, mais il y a eu peut-être des retards, des petits contretemps là. Hein. Donc ça, c'est tout bénef. Pour lui, là, c'est tout bénef. Bon, allez, on y go, c'est parti. Mon kiki, pour ce samedi 30 octobre 2021, c'est parti. Oh, regardez. Ah ben, dites donc, on parlait du chiffre 3, la grossesse. Et là, on ressort de ce 7 de cœur. On parlait avec votre enfant, là, ou votre meilleur ami, votre frère. Et là, regardez. On a, là, ce qui compte, c'est la gauche. Hein, d'accord ? C'est toujours en gauche, la gauche, qu'il faut regarder par rapport à une coupe ou par rapport à un tirage. Donc là, on nous parle de naissance, de renouveau. Pourquoi pas une réconciliation ? Pourquoi pas une nouvelle relation sentimentale, d'accord, ou un nouveau départ. Mais regardez à côté, nous avons un 8 de pique. Et quand un 8 de pique rencontre un 7 de cœur, ben, il y a de la contrariété, il y a de l'angoisse. Alors peut-être que pour certains et certaines, vous avez des difficultés à avoir un bébé, d'accord. Là, on pourrait nous parler, faites attention pour certains et certaines. Bon, c'est vrai que je vous annonce la grossesse avec le chiffre 3. Mais là, pour certains et certaines, je vous recommanderais de vigilance concernant un bébé. D'accord ? Pas d'imprudence, d'accord ? Alors, il peut y avoir, alors peut-être que vous avez des difficultés, certes, à avoir un bébé, mais là, on vous dit bien que vous êtes contrarié, vous n'êtes pas bien, il y a le bébé qui est peut-être là, et on vous dit qu'il va falloir vous reposer. Il pourrait, je dis bien, il pourrait y avoir, hein, c'est du général, avoir un souci de santé par rapport à une grossesse. Je le dis parce que je vous le dirai toujours la vérité. D'accord ? Donc là, je vous recommanderais, mesdames, celles et ceux qui viennent de savoir qu'elles sont enceintes, faites attention, ça peut être une fausse couche. D'accord ? On va regarder dans le tirage général si ça ressort. Donc faites attention, pas d'imprudence. Ok ? Pour d'autres, peut-être que vous vous angoissez tout simplement hein, d'être enceinte, vous avez peur, c'est tout à fait normal. On reste zen, on se détend, on respire, on expire, tout simplement. D'accord ? Donc là, il peut y avoir un petit souci de santé. Je vais juste regarder derrière le 8 de pique ce qui va se passer, tout simplement. Donc là, ça peut être aussi une nouvelle relation, si c'est dans le domaine sentimental qui vous tracasse, qui vous angoisse. Ça peut être une réconciliation, le retour d'un ex qui vous angoisse également. D'accord ? Donc là, il y a un nouveau, peut-être aussi nouveau départ pour certains et certaines qui vous tracassent. Donc peut-être un nouveau départ, un nouveau projet, une envie de partir et voilà, vous êtes contrarié, inquiète ou inquiet. Donc là, je regarde tout simplement. C'est dans le domaine familial. Il peut y avoir un souci concernant une grossesse, concernant un membre de votre famille. Vous pouvez apprendre une sœur, etc., etc. Vous voyez, il y a des projets là, hein, d'accord ? Tout ce qui est projet, on va dire, tout ce qui est projet peut-être dans le domaine immobilier, tout ce qui est projet dans le domaine du couple. Donc, ça peut être le couple, ça peut être l'immobilier, ça peut être aussi donc le foyer. Il peut y avoir des complications. Il peut y avoir le couple, ça peut être tendu, vous angoissez. Mais il y a un regain d'énergie, le renouveau arrive, d'accord ? Je regarde juste là. Vous voyez, il y a eu du retard, des contretemps. Ça peut être concernant un enfant hein, qui a du mal à avoir un bébé. Hein. Peut-être que vous avez un enfant qui a du mal à avoir un bébé, un fils, etc. Mais là, ça nous parle vraiment de tout ce qui est lié à l'immobilier ou tout ce qui est lié au foyer, d'accord ? Ça peut être aussi un petit peu tendu, mais on nous parle de réconciliation, d'accord ? C'est pour ça que c'est très important... lorsque, enfin moi hein, personnellement, je vous dirai toujours la vérité, quoi qu'il arrive, d'accord ? Donc là, je vous ai fait toutes les significations possibles, vous mettez à votre sauce. Donc là, mesdames, si vous apprenez, peut-être qu'il y en a qui ne savent même pas qu'elles sont enceintes. Donc voilà, faites attention. Allez, zou, c'est parti. On va regarder ça si ça ressort, d'accord ? On nous parle d'une dame de carreau, hein. Alors, la dame de carreau, elle est perfide, bien évidemment. C'est une femme qui ne vous aime pas, qui est manipulatrice. Bon, si elle accomplit un panier vraiment du valet de pique, ça serait vraiment... Waouh ! Elle serait violente. Là, elle n'est que perfide, sauf si elle est accompagnée, la dame de carreau, sauf si elle est accompagnée d'un œuf de trèfle. C'est une femme, une responsable, une patronne dans le domaine du travail. Et elle ne nécessite pas d'être méchante. Je crois que je vous l'avais déjà dit, mais... Je préfère le redire. Donc, on verra ce qu'il y a derrière. On nous parle de rapidité. Vous allez recevoir des nouvelles d'une femme pas bonne, là, hein, pour ce samedi ou éventuellement pour ce dimanche, si c'est par rapport à la famille, une amie, etc. La dame de carreau, quand elle est comme ça, c'est vaste. Hein. Ça peut être une sœur, une meilleure amie. Bon, elle serait accompagnée de la dame de cœur. J'ai quoi derrière ? Je crois que je l'ai vue.
Ouais, elle est là. Non, elle est loin. Elle est loin quand même. Donc là, on a quand même... Vous voyez, vous avez le 9 de trèfle qui n'est pas très loin. Donc là, vous allez avoir des nouvelles très rapides dans les 24 heures, 48 heures ou dans les heures à venir, vous allez lire, visionner la vidéo. Donc là, on nous parle de nouvelles d'une femme. Hein. Donc, soit par texto, soit par téléphone, soit par courrier, tout ce qui est par écrit, des nouvelles de cette femme dans les 24 heures, 48 heures. Si je suis dans la continuité de cette dame de carreau, on pourrait éventuellement nous parler des nouvelles d'une responsable, d'une patronne qui pourrait vous appeler, pourquoi pas pour aller bosser, hein, tout simplement, ou éventuellement une personne qui vous doit de l'argent, hein, si ce n'est pas dans le domaine professionnel. Là, si c'est dans le domaine professionnel de cette dame de carreau, vous allez avoir des nouvelles très rapidement, soit dans les 24 heures, 48 heures, donc vous décalez, vous comptez pas le dimanche, vous décalez, vous mettez lundi ou mardi. Elle va vous, soit qu'elle vous allez recevoir un recommandé, un courrier, un texto ou un email par rapport à peut-être de l'argent, d'accord? Et vous allez devoir vous déplacer. Regardez, on a quand même le 10 de trèfle. Donc là, on a plutôt un beau dos de deck puisqu'on a quand même cette femme perfide. Il faudra être vigilant, vigilante. Donc, restez zen, restez tranquille parce que si c'est dans le domaine professionnel, c'est une patronne, c'est une personne imposante qui ne se laisse pas faire. D'accord ? Donc, peut-être, pourquoi pas négocier ou pourquoi pas, on va vous appeler pour un poste, hein, tout à fait, hein, qui va vous mettre quand même en joie puisqu'on est en chiffre 3 pour ce samedi. D'accord ? Donc là, il y a une femme pas bonne. On va regarder hein, si ça ressort. Bon, là, on nous parle de la maison, le foyer, le couple ou l'immobilier, bien évidemment. On nous parle que, voyez, vous êtes tracassé. Donc, il y a une situation. Alors, comme je voyais, enfin, comme je vous le disais, hein, vous l'avez vu à la coupe, on avait juste derrière ce 8 de pique, cet as de cœur. Hop, bingo. Donc là, peut-être que ce n'est pas vous qui avez un problème de santé concernant un enfant ou un enfant de grossesse. Mais là, on nous parle bien qu'il y a une situation. Peut-être que vous allez apprendre que quelqu'un est malade dans votre famille. Hein. Alors, ça vous tracasse. Peut-être que vous êtes tracassé, vous avez envie de changer de logement. Et là, vous êtes tracassé parce que vous voyez que les choses ne viennent pas. On nous parle de signatures. Hein. Vous attendez, vous êtes tracassé concernant des signatures, soit concernant tout ce qui est lié à l'immobilier, soit par rapport à l'achat ou la vente d'un bien. Mais on nous parle de signatures. Vous êtes tracassé concernant des signatures. D'accord ? Ça peut être dans le domaine familial aussi. On nous parle d'un roi de cœur. Donc, le roi de cœur, c'est bien sûr votre chéri, chéri, chéri. Donc, masculin ou féminin, en tous les cas, cette personne-là vous aime. Elle est protectrice, elle vous aime, elle a des sentiments. Alors, peut-être que vous êtes tracassé hein, par rapport à votre cher et tendre, votre mari ou votre femme, parce qu'elle a peut-être perdu son travail. Peut-être qu'il est à la recherche d'un emploi et ça peut être tendu dans le couple. D'accord ? Autre cas... autre signification de ce roi de cœur, ça peut être la présence de votre papa. Peut-être que justement, vous êtes inquiète parce qu'il attend des papiers concernant peut-être un bien immobilier, peut-être une situation de logement. Ou ça peut être, bon, on va voir si on a le roi de pique, ça peut être, il doit peut-être quitter, il a peut-être des problèmes de santé, et il doit quitter le logement là où il est parce qu'il ne peut plus s'occuper tout seul. Si vous n'avez plus le papa... Hein, votre papa ou le grand-père, eh ben, sachez que vous avez la protection de votre papa concernant cette situation-là qui pourrait s'arranger. On va regarder à la suite des cartes. On nous parle de certitude en tous les cas, on nous parle de déménagement. Donc, il y a bien une situation de logement, d'immobilier, de maison, de foyer. Il y a une certitude là concernant ça va bouger pour vous. Il y a la carte du 10 de carreau, c'est la carte du changement. On continue, on nous parle de vous allez devoir vous déplacer. Il va y avoir un face-à-face concernant des projets que vous avez en tête, peut-être des projets sentimentaux. Et regardez, on a l'as de trèfle. Je vais décaler parce que sinon, vous n'allez pas le voir. On a la réussite. Hein. Donc là, tout ce qui est projet, que ce soit sentimentaux, que ce soit ce que vous avez en tête, hein, tout simplement, ben, vous avez la réussite. Vous avez la réussite, donc tout ce que vous allez entreprendre. Donc ça, et on a 4 as. Je n'avais pas vu. À la grosse nulle. Je n'avais pas vu. Et réussite. Donc, le 8 de pique, vous pouvez me l'enlever. Alors là, c'est la réussite totale. 1, 2, 3, 4. 4 as. Bon, bah, écoutez, bonne nouvelle. Bonne nouvelle, que de la réussite. Papier, si c'est tout ce qui était tracas, c'est aux oubliettes, hein, je vous le dis. Hein. Donc, réussite, je continue. Réussite concernant une maman qui est proche peut-être de vous. Si vous n'avez plus votre maman, sachez qu'elle est là, elle est présente au-dessus de vous. Sachez que si ça peut être aussi une grand-mère, hein, tout simplement, en tous les cas une personne féminine, pareillement hein, pour le roi de cœur, hein, ça peut être la présence, la protection de personnes masculines dans votre famille. Et là, en tous les cas, on nous parle de réussite, mais cette dame de pique peut vous représenter, vous mesdames, vous messieurs, à partir de la cinquantaine et à condition que vous soyez veuve, divorcée ou célibataire. Bon, je continue. On nous parle de nouvelles, donc doit des nouvelles de votre maman. On nous parle de nouvelles inattendues, des bonnes nouvelles qui vont vous arriver. Ça, c'est plutôt intéressant. Il peut y avoir une belle invitation
quelque chose d'inattendu, mais une belle invitation. Et on nous parle peut-être que là, une invitation qui peut être... Alors, ça peut être une invitation à un mariage, ça peut être une invitation à un anniversaire, mais il y aura de la route à faire. Hein. C'est dans une autre région ou carrément dans un autre pays. Mais en tous les cas, avec les quatre as, waouh, que du bonheur. J'adore. Bon, bah, écoutez, très beau petit tirage, malgré qu'on a ce 8 de pique. On l'avait tout à l'heure à la coupe. Ce n'est pas méchant, mais bon, pour moi, à la coupe, si je rejoins le tirage et la coupe, vous voyez, on n'a pas ressorti le 7 de cœur. Donc... Moi, pour moi, c'est plutôt un nouveau départ qui va vous tracasser. Le nouveau changement, là, hein, qui va arriver et on nous annonce la réussite. Je fais les associations de cartes, donc on a bien évidemment les 4 as, c'est le succès, la grande réussite. 4 as, 3 as, la synonyme, c'est porteur de jalousie, mais on s'en fout. J'ai quoi d'autre ? J'ai que 2 rois, j'en veux pas. Une dame, une valet, j'en veux pas non plus. J'ai quoi d'autre ? Ben, je crois que c'est tout, hein. On a 2 10, on a 2 8 et on a qu'un 7. Ok, la dame de carreau, je vais la recourir après. J'irai la rechercher après. Je recouvre juste le 8 de pique. Donc là, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. Ouais, c'est le 8 de pique, c'est des gens pas bons autour de vous. Je continue. Concernant le travail, hein, vous pouvez avoir des gens pas bons dans votre travail. D'accord ? Peut-être une envie de vous mettre à votre compte, hein, ce nouveau départ qui vous tracasse, hein, puisque le 7 de cœur, c'est nouveau départ, le changement et tout. Peut-être vous mettre à votre compte. Hein. Je vais chercher la dame de cœur. Ah, ben, elle est là, je crois. Moi, je l'ai vue. Hop là. On va la couvrir. Parce que, est-ce que... comment elle est, elle? Comment elle se situe? Ouais, il y a de la colère. Vous allez vous disputer avec une femme pas bonne, hein, autour de vous. Pourquoi? Ouais, concernant peut-être l'homme de loi. Concernant peut-être le médecin. Je continue. Je veux juste... Ouais, sur du retard. Oui, il y a eu des retards, des contretemps. Il y a une femme qui essaye de vous retarder concernant vos projets, là. Vos projets à vous mettre à votre compte, vos projets... j'ai l'impression qu'il y a une femme qui va vous mettre des bâtons dans les roues, là. Mais bon, vous avez les 4 as, donc... elle n'y arrivera pas. Vous allez avoir gain de cause. Tant mieux. Bon, mais c'est bien, j'ai les 4 as. Je n'avais pas vu. Bon, allez, la merolée, zou, c'est parti. Allez, c'est parti. Mon kiki tirage du jour du samedi 30 octobre 2021. Avec Monsieur l'Oracle des Miroirs, pour le sentimental, regardez-moi ça. Vous allez devoir prendre la parole et regarder. Peut-être prendre la parole parce que vous allez, pourquoi pas, si c'est dans le domaine sentimental, ben parce que vous êtes tombée amoureuse ou amoureux d'un homme ou d'une femme, et hop, c'est le bonheur, et pourquoi pas un mariage. En tous les cas, on a l'union, on a la joie, et vous allez devoir prendre la parole. Pourquoi, pour qui? C'est bien vous. Concernant un contrat, vous avez peur de l'échec. Ouais, alors je pense que... Alors là, si je juste hein, vite fait, bien fait, vous allez devoir prendre la parole. Alors ça peut être votre partenaire ou masculin ou féminin, hein, votre partenaire, là, hein, parce qu'on a la femme, ça peut être vous, vous qui allez prendre la parole. Mais là, pour moi, vous allez devoir prendre la parole concernant votre chère étante, concernant un contrat qui va vous faire flipper. Et pourtant, vous êtes attirés l'un envers l'autre. On nous parle de culpabilité et on nous parle de victoire. J'ai l'impression qu'il y en a qui flippent de l'engagement, là. De la joie, vous voyez, déménagement, changement, maison. Vous allez vivre avec la personne et ça va vous faire flipper. Ben alors, si c'est dans le domaine sentimental, hein, une coupe, c'est du général. Hein. Allez, on y go. Alors, peut-être que, vous voyez, ça rejoint le nouveau départ, peut-être... comment je veux dire, concernant bah, un changement de vie pour vous, vous mettre à votre compte et ça va vous faire flipper, quoi. Vous flipper, quoi. 3, 6. Et je pense qu'il y a des gens qui vont, alors peut-être votre famille qui va vous titiller, mais non, tu vas pas y arriver, mais si, vas-y. Voilà, du style comme ça, et ça va vous agacer parce que vous stressez, en fait. Faut foncer, hein. Regardez, on parle par rapport à la loi. Hein. Il y en a qui vont s'engager. Hein. Il y en a qui vont s'engager. Allez, Monsieur l'Oracle des Miroirs, tirage du destin. Et là, je vous fais la totale. Eh ben oui, je vous fais la totale. C'est bon ? Allez, parce qu'on est samedi. On nous parle de... Alors, tout ce qui est loi, tout ce qui est juridique, vous êtes protégé. Vous avez passé. Hein. On nous parle d'étrangers. Hein. Peut-être qu'il va y avoir du grand changement. Vous allez ressentir que c'est le bon moment et que c'est la bonne personne. Et on nous parle d'évolution avec cette personne que vous allez, avec qui vous allez vous engager. Et pourquoi pas vous marier. Hein. On nous parle, regardez, il est là, elle est là. Génial. On nous parle que c'est une femme ou un homme qui a été trahi. Ou c'est vous, hein, tout simplement, dans le passé. On nous parle qu'elle a été trahi dans la famille. Il y a eu trahison. Ou il va y avoir trahison. Hein. On va voir. Mais vous en fichez, il y a de la joie. Vous voyez, ça ressort. On nous parle de nouvelles ouvertures, nouvelles portes qui s'ouvrent pour vous avec cette personne. Génial. Je continue, bah oui. On nous parle d'une situation qui prendra fin. Peut-être avec la famille. Hein. Vous allez devoir trancher.
On nous parle de compromis. D'accord. Je vous ai dit, vous allez vous marier. Enfin, vous allez vous engager en tous les cas. Attention, on nous parle d'accusation. Moi, je pense que là, dès qu'on va savoir, vous allez vous marier, vous engager. Ça ne va pas plaire à la famille. Hein. On nous parle en tous les cas, vous êtes collés serrés. Hein. Donc ça, c'est plutôt génial. On nous parle de choix. Je vais peut-être un peu trop vite pour vous. On nous parle de oui, en tous les cas. Tous les choix que vous allez prendre, c'est oui. Et oui, à côté de lui, hein, ou à côté d'elle. On nous parle, allez hop, vous prenez la peau d'escampette, voyage, déménagement, pourquoi pas. Et vous allez devoir vous séparer. Alors, la carte de la séparation, parce que regardez, c'est hallucinant. Quand vous regardez ça, la carte de la séparation, ce n'est pas nécessairement la carte de la séparation. On se quitte, etc. Bon, sauf pour celles et ceux qui veulent divorcer. Mais là, comme je le fais pour tout le monde, là, regardez, vous avez la famille au milieu. Regardez ce que vous avez à côté. La fatalité, la séparation. Donc là, vous allez devoir vous séparer de gens pas bons, nocifs, parce qu'ils vont peut-être vous reprocher. Ils vont vous dire que peut-être que cet homme ou cette femme n'est pas bien. Mais il ne faudra pas les écouter. De toute façon, vous n'allez pas les écouter. Parce que vous avez la protection. N'oubliez pas, hein, on a vu, hein, tout ce que vous allez faire en engagement, signature, loi, etc. Vous êtes protégé. Hein, et vous allez prendre la peau d'escampette. Hein, et vous allez ressentir que c'est la bonne personne. Et on vous dit qu'il y a une belle évolution avec. Hein, je continue si vous voulez, mais là, on ne va peut-être pas faire tout le jeu. Donc là, mes amis célibataires, il y a une belle personne qui va arriver pour vous. C'est une personne qui a été peut-être trahie. Trahison, ou peut-être que vous avez été trahi dans le passé, mais moi, pour moi, ça serait plutôt cette personne-là qui s'est fait, enfin, cet homme ou cette femme que vous avez rencontré qui s'est fait trahir. Mais ça peut être vous, bien évidemment. Trahison sur quoi concernant la famille? Donc là, on est en plein dedans. Donc ça veut dire que peut-être que justement, il a une famille qui est peut-être trop oppressante, peut-être que vous, vous avez une famille qui est trop oppressante, qui juge assez facilement dès qu'elle a quelqu'un, dès que vous rencontrez quelqu'un, ou vice-versa, hein, le partenaire, futur partenaire, vous allez rencontrer. Donc voilà, la famille est là, mais. Vous vous en fichez, il y a la joie, il y a du bonheur, il y a de l'amour. On vous dit qu'il y a une très belle ouverture qui s'ouvre à vous, une très belle porte qui s'ouvre, très bel avenir avec cet homme ou cette femme que vous allez rencontrer. Et on vous dit que là, il y a une situation qui va prendre fin. Donc, qu'est-ce qui va prendre fin? C'est que vous allez prendre la peau d'escampette avec cet homme ou cette femme que vous allez rencontrer. Il y a de l'engagement, il y a un compromis. Et on signe là, hein. C'est acté là, hein. On vit ensemble, on se marie, etc. Mais attention, quand ça va se savoir, il y aura des accusations, mais on s'en fout, vous êtes toujours attirés l'un envers l'autre, vous êtes collés, serrés, comme des siamois, donc là, on ne pourra pas vous décoller. Et donc, il y aura un choix, mais ce choix, c'est, je pense, de prendre la poudre d'escampette. On vous dit oui, on déménage, on prend hein, son envol, on quitte tout le monde, et là, c'est on quitte et on sépare tout le monde pour vivre pleinement avec son amoureux, son amoureuse. Pareillement pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, peut-être que vous allez ressentir, vous ne l'avez peut-être pas encore ressenti, mais peut-être que vous ressentez déjà, peut-être parce que la situation de la trahison vis-à-vis de la famille, peut-être que vous l'avez peut-être déjà vécu dans le passé, et là, rebelote parce que vous avez une famille ou la personne avec qui vous venez de rencontrer, ça dure 3 mois, 6 mois, 1 an, hein, c'est tout récent, bah, peut-être que justement, lui va vous dire ou elle va vous dire, oui, bah, tu sais, moi, ma famille n'est pas facile, ils ont jamais aimé mes petites amies ou ma petite amie, ou les trucs comme ça, ça va être très très difficile, ils sont dans le jugement. Donc voilà, il y a une histoire où ça va peut-être vous renforcer encore plus. On voit bien que c'est la famille, mais quoi qu'il arrive, il y a de la joie concernant une très belle porte qui s'ouvre par derrière. Donc là, on vous dit bien que quoi qu'il arrive, la trahison, le passé, etc., la famille, vous allez prendre la poudre d'escampette, vous allez vivre avec cet homme ou cette femme avec qui vous venez de rencontrer. Il y aura une situation de fin et de séparation, vous allez devoir faire un choix. Et ce choix, on vous dira oui, et vous allez prendre la poudre d'escampette et vous allez signer, ça sera acté. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien, ben, vous avez l'homme, hein, votre mari, il est là, votre femme, elle est là. Il y a eu de la trahison, peut-être que dans le passé, il y avait déjà eu cette trahison, et hop, rebelote, ça revient sur le tapis, la famille, et là... Là, vous en avez marre. Alors, peut-être que vous avez un projet de déménager et eux, ils se disent « Non, mais n'importe quoi, vous n'allez pas quitter la région, le pays, etc. » En tous les cas, vous vous en fichez puisque vous allez décider avec votre mari, votre femme. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, il y a de la joie. Vous êtes collés serrés, quoi qu'il arrive, mais il y aura des décisions à prendre, il y a un choix. Hein. Il y a un accord de trouver, là. Donc, peut-être que vous avez acheté ou vous rêvez, vous voulez vendre votre maison, votre appartement pour pouvoir partir. En tous les cas, ça va prendre fin. Concernant qui? Concernant la famille. Et il y aura la séparation parce que vous en avez marre de ces accusations. Allez, zou.
Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et qui veulent divorcer, alors peut-être que là, de toute façon, vous, il y a la fatalité, il y a la séparation, il y a la loi, il y a les accusations, il y a eu la trahison. Alors peut-être que votre mari, votre femme a été infidèle, il y a eu de la trahison, et là, c'est boum, rebelote, c'est reparti, mon kiki. Donc là, vous n'en pouvez plus. Donc là, vous en avez peut-être marre aussi de la belle famille ou de votre famille, mais là, vous quittez tout. Séparation, fatalité, et le fait de divorcer, joie, ça va vous procurer de la joie, vous serez heureuse et heureux. Nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, vous allez prendre la poudre d'escampette, il y aura un compromis quand même, vous allez quand même vous accorder, on vous dit oui, et peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, hein. Elle est là, il est là, hein. Pourquoi pas, hein. Donc ça c'est ok. Pour celles et ceux qui sont en triangulaire, on vous dit qu'il est là, elle est là, oui, il y a eu de la trahison, attention, alors peut-être que justement vous avez déjà vécu cette expérience-là, et si vous ne l'avez pas vécu, hein, vous êtes avec cette personne qui est en triangulaire, donc peut-être faites attention, vous, au moment où vous êtes avec cette personne-là, ou lui ou elle, avec qui vous êtes en triangulaire, il y a de la trahison, faites attention à la famille ou à la belle-famille, ne divulguez pas, restez discret s'il vous plaît dans ce genre de situation, parce qu'il y a toujours des fuites. On vous dit quoi qu'il arrive, vous vous aimez, il y aura de l'engagement, il y aura peut-être pourquoi pas un mariage, il y a de la joie, on vous dit oui, on vous accusera quoi qu'il arrive, ah t'es la bête noire, c'est pas bien ce que tu fais, voilà. Et on vous dit que vous allez prendre la poudre d'escampette, il y aura un accord de trouver avec cet homme ou cette femme avec qui vous allez vous, pourquoi pas vous marier, mais en tous les cas, vous voyez, il y aura la séparation, il se séparera, la famille peut-être aussi, et ça prendra fin parce que vous en avez marre des accusations, mais quoi que... vous n'avez pas y échappé hein, aux ces accusations. On va montrer du doigt. Enfin, c'est pas la carte de culpabilité, mais là, vous voyez ces petits bonhommes qui, oui, c'est toi la coupable. Donc, et on termine pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex. On vous dit qu'il est là, elle est là. Il y a eu de la trahison. Alors, quand il va revenir, alors peut-être qu'il y a eu infidélité hein, quand il était dans l'ancien, hein, dans l'ancienne vie, comme on dit. Il revient là, elle revient. Oui, bonjour, c'est moi. Mais attention. Le fait que la personne, votre ex, revienne, même si vous le souhaitez de tout votre cœur, attention à la famille. Hein. Ça va fuser, alors peut-être en insultes, peut-être en accusations. Vous vous en fichez parce qu'il vous aime ou elle vous aime, là, ok. Mais soyez prudent et prudente, hein. Si elle a trahison, il y a eu, il peut y avoir encore, donc méfiez-vous. Donc là, attention, soyez prudente et prudent, hein. Comme je le dis à chaque fois, quand un ex vous a trompé, il peut retromper, d'accord ? Que ce soit masculin ou féminin. Donc, comme je dis, il faut communiquer. Quand un ex revient, ok, tu reviens, mais tu c'est pour de bon, pas les conneries comme avant. Vous voyez ce que je veux vous dire ? Donc, il faut vous imposer, soyez prudente. Ne vous emballez pas quand un ex revient, surtout, d'accord ? Il faut vraiment reprendre là où ça n'allait pas, d'accord ? Donc, d'où la trahison. Mais faites attention, vous pouvez peut-être à un moment donné, bah, la famille s'en mêle et ça peut aller très loin. D'accord ? Donc, voilà. Mais il est là, elle est là. Donc, et ça vous procure de la joie, bien évidemment. Allez, zou ! Au revoir, monsieur Béline. Et oui, oui, moi, vous savez, hein, vous me connaissez, je serai toujours franche avec vous. Et même dans ce genre de situation, on nous parle de courrier, de lettres que vous allez recevoir, comme dans un livre ouvert avec ce chandelier-là. Vous allez avoir la lumière. La lumière arrive pour vous. Vous avez été intelligente à un moment donné et on vous apporte des réponses. C'est bien ? Non, comme je disais, ah, j'ai deux cartes qui se sont retournées. On va regarder d'abord. Regardez, sur du retard, mariage, union. Pas mal, hein ? C'est bien ? Non, il faut toujours être prudent quand un ex revient. Surtout s'il vous a fait du mal. Toujours communiquer avant, il ne faut pas s'emballer. Toujours reprendre la relation en tant qu'amitié. Au départ, on se revoit comme si c'était la première fois. Mais on reprend sur le vif du sujet. Et le vif du sujet, c'est savoir pourquoi il vous a trompé, pourquoi il est parti, pourquoi il, mais je dis il, mais il y a elle aussi. Hein. Les femmes ne sont pas mieux. Hein. Oh, bah oui. Donc, voilà. Non, il faut toujours parler, communiquer, c'est très important. Comme ça, ça vous permet d'évacuer et de ne pas vous emballer trop vite. Voyez ? Et l'ex, ça lui permet aussi de voir que ben, vous vous êtes calmé, vous avez changé. Alors, voilà. Bon, là, je dis que c'est vous, mais bon. Faut communiquer, ok ? Allez, tirage du jour du samedi 30 octobre 2021 avec Monsieur Béline. Tirage du destin, bien évidemment. On nous parle de famille. Oh ! Vous pouvez apprendre un décès familial. Il y a un décès, là. Ça peut nous parler d'héritage. Je vais juste regarder derrière. On nous parle de famille, là. Vous pouvez apprendre un décès. Hein. Alors, peut-être le décès est déjà passé. Hein. Ouais, il y a une invitation, là. Hein. Il y a les honneurs. Donc, peut-être qu'il y a eu un... Il y a eu... Là, ça serait plutôt un héritage... Et que vous allez avoir gain de cause. Hein. Vous allez faire la, on va dire, la fête
par rapport à cet héritage que vous attendez, et c'est un héritage familial. Et vous avez les honneurs. Mais si je regarde juste la coupe, je regarde juste derrière, ouais, il y a une situation de fin. Là où il y en a, pour certains, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Alors bien sûr, je le fais pour le samedi, vous décalez, hein, vous ne comptez pas le dimanche, vous mettez lundi ou mardi, d'accord ? Donc peut-être des bonnes nouvelles concernant suite à un décès familial, suite à un héritage que vous attendez, et vous allez avoir des bonnes nouvelles par rapport à ça, d'accord ? Mais si je ne regarde pas derrière les cartes, vous pouvez apprendre un décès familial. Je dirais, je vous dis tout, moi. Bah oui, la carte homancie, c'est sauf en consultation, si on me dit, Oléana, je ne veux pas qu'on parle de sujet, moi j'obéis, là-dessus, j'obéis. Hein. Moi là-dessus, je comprends parfaitement. Même la santé et tout, moi j'obéis. On nous parle de projets, des projets. Est-ce que c'est des projets sentimentaux, des projets de vous mettre à votre compte? On parle de ce, oh, bah tiens. Bon, on nous parle de projets, on vous dit sur du retard, faites attention à des gens pas bons autour de vous, ça jacasse déjà. Peut-être suite. Alors, en tous les cas, les projets que vous allez mettre vont se mettre en place, hein, que vous avez en tête. On nous parle, pourquoi pas, de déménager. En tous les cas, les projets vont vous procurer du plaisir, de la joie, du bonheur. Attention, là, concernant... attention si à tout ce qui est l'eau, là. Hein, attention de ne pas vous brûler avec de l'eau, là. Hein, attention de ne pas vous brûler avec de l'eau, là. Hein, d'accord ? Quand vous avez la carte de l'eau et l'accident, attention de ne pas vous brûler. OK ? Bon, là, on nous parle de plaisir, de projet. On nous parle de... Ça va bouger pour vous. Là, j'ai un accident. On nous parle de vous. On vous demande d'avancer concernant l'argent. Alors, ça peut être une situation d'argent que vous attendez. Il y a des projets qui vont se mettre en place. Peut-être que vous attendez une somme d'argent. Peut-être un emprunt. Je ne regarde pas la carte du retard. Vous avez les honneurs sur les ennemis. Ouais, il y a une situation de le fait que vous allez bouger, le fait que vous allez déménager. Vous voyez, on avait la carte de l'accident, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Et on a la carte du pourparler avec l'eau. Donc là, on vous dit bien que là, il y a une situation où, comme si vous allez entendre une discussion, où on va vous répéter, ça va vous choquer. Vous voyez, concernant le départ que vous allez faire. Je vais continuer. Dans le domaine professionnel. Faites attention, hein. Concernant le domaine professionnel, ça jacasse. Comme si, vous, pour certains, vous allez être muté, vous allez changer de... Vous allez peut-être bouger par rapport au domaine professionnel, suite peut-être à un accident du travail. Bon, c'est pas méchant, je le vois pas méchant, cet accident de travail, parce qu'elle était vraiment loin, la carte de l'accident. Mais on vous demande d'avancer. Concernant des choses que vous allez apprendre. On nous parle de prière, il va falloir prier. Pour prier, c'est important. Prier la Vierge Marie. Ma petite Vierge Marie à moi. Non, pas qu'à moi, à tout le monde. Allez, monsieur Grand Étel, on va voir si ça ressort. Tirage du jour du samedi 30 octobre. Mais j'ai pas fait... Eh, non, mais je suis folle. Eh, hop, je suis folle. Hein. J'ai pas fait le tirage du destin. Bon, bah ça parle pour certains. Non, mais je vous le dis, hein. On nous parle d'amour. Je le refais, hein. Donc là, ça devait parler pour quelqu'un, à certaines personnes dans le domaine professionnel, suite peut-être à un accident du travail. Allez, monsieur Béline, je recommence. Bon, il y a une situation, regardez, ça rejoint. Mais je fais le tirage du destin, je vous le fais. M'en fous, ça fait 50 minutes, je m'en fous. On nous parle d'inconstance. On nous parle d'une situation là à qui vous êtes attaché. On vous demande d'avancer par rapport à cette situation. Ouais, avancer par rapport à cette situation qui vous tracasse. Vous avez le bonheur derrière. Quelque chose d'inattendu. Il y a quelque chose d'inattendu si vous avancez concernant une situation qui vous perturbe. Alors, est-ce que c'est dans le domaine professionnel? Là, on parlait tout à l'heure, monsieur Béline, professionnel. Ça peut être une situation amoureuse, puisqu'on a la carte de l'amour. Comme si vous allez... il y a une situation sentimentale, là. Vous êtes contrarié, vous n'êtes pas bien. Vous êtes amoureuse ou amoureux. 3, 6, 7, 8, 9... Puis là, je vous le dis, on est au mois de novembre. Alors là, les énergies, vous avez fusé, mais vous allez déprimer. Il y en a qui vont déprimer. Hein. Au mois de novembre, je vous le dis, hein, toutes les énergies de là-haut redescendent en bas. Au mois de novembre, ça fuse. Parce que vous avez tous les défunts, tous les esprits qui viennent sur cette terre-là. Ils sont là-haut et ils viennent en bas. Là. Et c'est la période. Période novembre, décembre, janvier, février, c'est les périodes. Et après, il faut attendre le printemps. On nous parle de réussite, hein, là, en tous les cas. Tant mieux. Donc là, c'est sûr qu'il y en a qui vont... comme s'il y en a qui vont être déprimés, vous n'allez pas être bien.
En plus, on change d'heure, hein. Pour ce week-end. Ouais, il y en a qui vont déprimer, là. Je le ressens. Allez, il faut pas, il faut pas. Allez, réussite. Regardez, M. Béline, il dit réussite. Regardez, vous avez la protection. Je vous ai dit, vous avez... Je vais pas plus loin. Vous avez la réussite, vous avez la protection. Donc, s'il y a une situation qui vous tracasse, ou que ce soit dans le domaine sentimental, il vous manque quelqu'un, ben, on vous demande de prier, tout simplement. D'accord ? Allez, on nous parle, regardez, réussite sur la trahison. Il y a eu de la trahison, c'est peut-être ça qui vous tracasse, hein ? Mariage. On serait dans le sentimental, là, avec M. Béline, hein ? Il y a peut-être eu une infidélité, là. Hein. La personne pourrait revenir. Réconciliation ou un nouveau départ. Vous avez la réussite, hein. On nous parle d'élévation. C'est pour ça qu'il fallait que je le refasse. Non, mais oh. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Soit cette personne-là, vous ne la ressentez pas. C'est pas que vous la ressentez pas, vous l'aimez. Que ce soit féminin ou masculin, hein, d'accord. Je prends mon temps, mais je m'en fous. Mais... Elle vous a trahi, elle vous a été infidèle, elle veut retenter sa chance avec vous, il pourrait y avoir une élévation, enfin, il y a une élévation, il y a une réussite, vous avez la protection, vous avez la grâce. Et là, la personne pense à vous. On va continuer. Il y a quelque chose d'inattendu. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Mais on vous demande quand même d'avancer. C'est comme si vous restez figé sur cette personne, mais boum, elle va revenir. C'est stérile, là. Il y a la carte de la stérilité, c'est bloqué. Vous voyez, ça avance tout doucement, timidement. La carte de l'infortune. 1, 2, 3, 4, que je ne fasse pas de conneries. On nous parle de discussion de procédure. Alors peut-être si ce n'est pas dans le domaine sentimental. Alors ça peut être dans le domaine sentimental, vous êtes en procédure avec cette personne-là, mais c'est comme si vous l'aimez encore. Ou vous l'aimez masculin ou féminin. Vous avez la protection, hein. Vous avez les lauriers, la renommée. Et voyez, vous êtes attaché à cette personne-là. Moi, j'ai l'impression, je vous le dis. Bon, il est joli, hein. Je vais juste recouvrir celle-ci. Le tirage est magnifique parce qu'il est fluide. Alors, elles vont me dire, tu débloques la mer au lait, qu'est-ce que t'appelles fluide, il y a trahison, etc. Il y a le procès et tout. Non. Quand je dis fluide, ça veut dire que les cartes se mélangent bien entre elles. Ça fait une histoire parfaitement. Ça veut dire que là, ça va parler pour des personnes. Soit vous allez rencontrer une personne avec qui ça va être difficile. Il y aura de l'attachement. Vous êtes accroché à cette personne-là. Cette personne-là, vous y a eu des projets. Même si c'est une relation d'un mois, deux mois, trois mois, on s'en fout. Hein, je parle pour tout le monde. Alors, si je parle pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un et subitement, la personne, elle n'est plus là. Et subitement, elle revient. Alors, soit... On parlait de trahison tout à l'heure. Hein. Cette personne-là, elle a été trahie, mais elle a envie de s'engager. Elle n'y arrive pas. Vous avez la réussite, vous avez l'élévation, vous avez l'union. On nous parle de discussion, parce que la carte du procès, c'est deux épées, mais c'est la carte des discussions vives. Vous avez la carte de la naissance, vous pouvez vous réconcilier avec. Moi, j'ai l'impression que là, soit qu'il y a un ex qui revient, soit cette personne-là était partie, elle revient, même si ce n'est pas longtemps. Il y a eu de la trahison, où elle s'est fait trahir. Alors, soit qu'il a été infidèle, mais c'est à vous, c'est comme si vous lui pardonnez. Maintenant, c'est à vous de savoir si c'est oui ou si c'est non. Je vais juste recouvrir celle-là. Vous comprenez ou pas ? Je sais pas. Voyez, on va vous offrir un cadeau. Il revient, cette personne-là, moi, je vous dis de faire attention, s'il y a un ex qui revient, ne le divulguez pas. Vous êtes inquiète. Moi, pour moi, il y a eu cette personne-là, il y a eu un engagement. C'est comme si elle va vous offrir une bague où il y a eu de l'engagement. Vous savez, mariage, là. Il y a eu des projets. Quel bonheur. C'est quoi, ça? Ça va bouger, hein. Dans le commerce. Peut-être une personne vous a rencontré dans le travail. Il n'est pas bien. Hein. Il n'est pas bien. Hein. La personne n'est pas bien. La personne vous aime, hein. Je vous le dis, hein. Si c'est ça, pour finir, avec M. Béline, la personne vous aime. Mais elle vous a fait du mal. Alors, est-ce que vous avez pardonné ou pas ? Hé ! Bon, ça, c'est pour la mère roulée qui va... Vous faites ce que vous voulez. Mais là, on sent de la souffrance. Et je vous dis, le mois de novembre, il ne va pas vous aider. Vous voyez, vous n'êtes pas bien. Femme brune qui n'est pas bien, mal sûre. Alors, soit vous avez une amie qui n'est pas bien, vous pouvez apprendre ce week-end, mais ça peut être vous, hein, cette femme qui n'est pas bien. Ou cet homme, hein, c'est vous, messieurs.
Allez, on va voir Monsieur Grand Tété là. Je suis à 39 minutes. Punaise. Allez, on y go. Allez, zou, 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 zou. Voyez, regardez. On ressort, vous n'êtes pas bien. Concernant quoi? Un homme bon. Voyez? Donc là, il y a quoi derrière? Ouais, le prêtre. Vous avez tellement prié de revoir cette personne-là, on va vous la remettre sur votre chemin. Hein. Voyez? Mais vous allez avoir la crainte, le doute. Vous avez peur. Ou la personne va revenir et vous allez avoir peur de ressouffrir. Ah, je sais que c'est pas facile. L'amour, c'est pas facile. Hein. Hey. Vous savez qu'on vient sur cette terre, on a une mission. Hein. Donc, on a tous une mission. Donc, on souffre tous. Hein. Celui-là qui me dit qu'il n'a jamais souffert, c'est impossible. Sinon, il ne serait pas sur cette terre. Donc, la souffrance fait partie de nous. Hein. C'est à nous de la gérer. D'accord ? C'est à nous de l'affronter. On nous parle d'un homme blond. Hein. Un homme en place. Hein. Alors, regardez, fille blonde. Hein. Espérance. Peut-être cet homme ou cette femme a un enfant. Vous avez l'espérance. Hein, ou cet homme ou cette femme a l'espérance de vous revoir. On est dans le sentimental, là. Hein. Peut-être pas trop que je m'éloigne. Vous avez que monsieur Père, le petit père était là. Hop, hop, hop. Vous n'allez pas les voir. C'est bon ou pas? Oui, allez, hop, hop. Bon, ça, c'est OK. Allez, on y go. Il y a un départ. Vous partez, là. Il y a un départ. On s'en va. Grossesse, hein. Vous voyez, naissance, on a la grossesse. Donc, vous pouvez apprendre une grossesse. Hein. Vous pouvez être tombée enceinte. Mais ça peut être la grossesse, un nouveau projet. Là, ça y est, vous partez. Là. Vous partez. On y go. On se lance. Il y a une femme blonde autour de vous qui va peut-être vous aider. Peut-être dans le domaine du travail. Il y a un nouveau départ, là. Hein. Ça peut être dans le domaine là, professionnel, avec Monsieur le Grand Tété là. On nous parle de misère. Alors, peut-être que justement, vous quittez une situation, vous démissionnez ou il y a un licenciement, là. Hein. D'accord ? Parce que là, c'est vous pouvez plus, là. On nous parle d'ignorance. Donc, justement, peut-être que, en plus, l'ignorance est à côté de cette femme blonde. Alors, peut-être que vous avez une patronne qui lui avait demandé plein de choses et puis elle fait rien. Donc, vous partez. Vous dites, elle m'ignore, je m'en vais. On vous dit de faire attention à une jeune femme brune autour de vous. Ça peut être dans le domaine du professionnel qui essaye de vous avoir à l'usure. Il y a eu un effet, peut-être, de duperie. Il y a eu des propos. Là, c'est plutôt dans le travail, hein, je vous le dis. Peut-être que vous allez vous mettre en arrêt de maladie, tellement que vous n'étiez pas bien par rapport au domaine du travail. Vous avez été chagriné. On vous demande de partir, de prendre l'air. Vous partez, hein, de toute façon. Et on vous demande d'agir avec prudence. Donc, si vous partez, de toute façon, allez en dominant. Vous partez concernant, il y en a qui vont partir. Hein, démission, licenciement. Vous allez quand même vous arranger avec votre patronne ou votre patron. Vous mettez côté masculin aussi. Concernant, peut-être que vous voyez votre patronne ne fait rien concernant justement des propos, concernant une collègue qui essaye de vous avoir, alors peut-être une responsable qui essaye de vous avoir à l'usure, vous en avez fait part au travail, et puis on essaye de vous mettre la misère, et boum, vous partez, vous prenez la peau d'escampette, en tous les cas, si vous partez, il y a un nouveau départ pour vous, d'accord ? Je vais recourir celle-là, je suis à combien ? 42 ? Parce que je ne perds pas plus à faire, hein. Ouais, fille brune, ça peut finir en procédure. Hein. Il y a un avocat, là. Hein. D'accord ? Donc là, vous avez gain de cause, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous partez. Vous partez. Comme ça, vous vous débarrassez de tout ce qui est négatif autour de vous. Allez, petit père papus, on y go, c'est parti, mon kiki. Tirage du jour du samedi 30 octobre 2021. 30-21, avec monsieur papus, tirage du destin. Regardez-moi ça, le chariot, alors c'est à l'envers, que je fasse pas de bêtises, le soleil à l'envers, le chariot à l'envers, mais c'est pas grave, c'est deux arcanes majeures, le soleil c'est la réussite, le chariot c'est magnifique, c'est chiffre 7, donc le chiffre 7 c'est tout ce qui est lié à l'argent, déménagement, le travail, on bouge, des bonnes nouvelles peut-être concernant une offre d'emploi, et le soleil, bah, c'est le soleil, hein, c'est la réussite, peut-être une personne, si c'est dans le domaine sentimental, signe du poisson, ça peut être vous, messieurs poissons, ou vous, mesdames poissons. Si c'est dans le domaine sentimental, peut-être une relation avec un poisson. Ou sinon, nous avons un gémeau. Donc, poisson, gémeau pour certains et certaines. Peut-être votre ascendant aussi. Hein. Donc, soit vous êtes gémeau, soit vous êtes poisson. Ou si c'est dans le domaine sentimental, vous inversez. Et ça peut être un homme poisson, une femme poisson, un homme gémeau, une femme gémeau. D'accord ? C'est bien ? Donc là, la réussite. Hein. Et la roue, enfin, c'est le chariot. Oui, que je fasse pas de bêtises, je vais refaire trois cartes, moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je vais dépasser les 50 minutes. J'espère que je vais pouvoir... ben, on retrouve le chariot. Hein.
Regardez. Alors peut-être un signe du Gémeaux, peut-être que vous êtes Gémeaux, mais en tous les cas, il y a des bonnes choses qui vont arriver. Hein. J'ai quoi derrière? On nous parle de la papesse. Bon, elle est à l'envers, c'est pas grave. La papesse, c'est tout ce qui est la réflexion, l'intuition, la grossesse. On parle de grossesse. Hein. Donc faites attention pour celles et ceux qui sont enceintes, je vous ai dit. Hein. Précaution, précaution. Bon, on nous parle de la naissance. Donc quoi qu'il arrive, ça sera pas méchant, on a la naissance derrière. Génial. Donc, Monsieur Papus a répondu. Mais soyez vigilantes, mesdames. Hein. D'accord? Pas d'imprudence, surtout. Ne portez pas les choses lourdes ou quoi que ce soit. Et quand on vient d'apprendre qu'on est enceinte, on ne le dit à personne. On le garde pour soi, on le dit à partir de l'âge de 3 mois. D'accord? Mais ça, je vous le redirai mercredi, pourquoi? Toujours. Bon, vous l'avez peut-être déjà entendu. Bon, je me suis étalée, mais je vous montre les cartes. Allez, c'est parti. On nous parle de quoi? On nous parle de religieuse. Génial, on nous parle d'un 3 d'épée. Donc, vous avez vraiment la protection de là-haut. Hein. Tout ce qui est prêtre, les religieuses, etc. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On nous parle de la roue universelle. Donc, ça, c'est génial. La roue tourne enfin pour vous. On nous parle d'un 3 d'épée. Donc, le 3 d'épée, le cœur brisé, la tristesse, la trahison, la douleur. Donc, peut-être que là, vous êtes actuellement, comme je vous ai dit, vous êtes dans un état de tristesse. C'est tout à fait logique si vous allez ressentir ces émotions-là parce que nous sommes, on va rentrer dans le mois de novembre. D'accord? Donc, c'est normal. Donc là, on voit bien, on vous demande de prier. D'accord? Très important. On nous parle de prier par rapport, justement, vous avez été avec ce 3 d'épée tout à l'heure, le cœur brisé, la tristesse, la trahison, la douleur, concernant une duperie. On l'avait tout à l'heure avec le grand été là. Donc, c'est confirmé avec Monsieur Papus. Donc, on vous dit peut-être d'une situation qui datait du mois de février, entre le 20 et le 28. On vous a fait un effet de duperie. Ou alors, vous l'avez ressenti, vous l'avez peut-être évité. On nous parle d'un valet de bâton. Le valet de bâton, ça nous parle de passion, de voyage, ça peut nous parler de départ. Donc peut-être que vous allez quitter votre entreprise parce que vous voyez que ça ne va plus. Mais on se dit, le départ, on est positif, ça va vous faire du bien, c'est la joie de vivre. Et ça peut être aussi le début d'une relation. Alors ça peut être aussi un effet de surprise concernant une personne que vous allez rencontrer. Hein. Waouh, on nous parle de l'étoile, arcane majeure. Donc il y a des bonnes nouvelles avec cette carte, c'est une très très belle carte, hein, l'étoile, moi j'adore. L'étoile, elle va nous parler de quoi? Elle va nous parler de projets, les prières qui sont exaucées et on se libère et c'est la réussite. Donc, génial. On nous parle de Mercure. Hein, donc, Mercure, c'est la planète Mercure, c'est lié à l'écriture, l'ouverture d'esprit. Donc, peut-être les bonnes nouvelles concernent... Waouh, eh, magnifique, le monde. Eh, magnifique, merci Monsieur Papus parce que là, topissime. Donc, tout ce qui est lié à l'écriture, tout ce qui est les écrits, vous allez recevoir des bonnes nouvelles et on vous confirme avec le monde, c'est le triomphe. Et vous avez le soleil. Donc, le soleil, c'est... tout ce qui est lié, bah, c'est le jour du dimanche. Hein. Le soleil, c'est notre ego, c'est nous. Donc ça, c'est magnifique. Et c'est la réussite absolue, le triomphe absolu, magnifique. On nous parle de l'impératrice, magnifique aussi. Et là, on nous parle d'une lettre. Donc l'impératrice, arcane majeure toujours. Donc on parle de communication, de commerce, de public. Donc peut-être des bonnes nouvelles aussi pour certains. Peut-être que vous quittez, vous démissionnez, vous êtes licencié, enfin vous vous êtes arrangé avec votre patron, votre patronne pour un licenciement économique et hop, parce que vous voulez vous mettre à votre compte ou hop, vous allez retrouver une offre d'emploi, un autre travail. Donc là, vous allez recevoir des bonnes nouvelles concernant tout ce qui est dans le domaine du travail. 1, 2, 3, 4, 5, je continue. On nous parle de tout ce qui est lié à la maladie. Donc il y a bien une situation où vous n'étiez pas bien. Hein, on avait là tout ce qui est le 3 d'épée tout à l'heure. Comme je vous disais, vous avez eu le cœur brisé. Et là, on nous parle d'un 8 d'épée. Ça continue l'emprisonnement, le blocage mental. D'accord? Donc, peut-être un souci de santé. Et en plus, peut-être faites attention, protégez-vous, couvrez-vous bien. Vous pouvez choper peut-être la grippe, je ne sais pas. En tous les cas, on nous parle du mois de novembre, entre le 10 et le 20. Hein, ou peut-être un gros rhume ou peut-être plus. Donc, faites gaffe. Hein, pas d'imprudence, couvrez-vous bien. On nous parle d'amour folle. Alors faites attention, ça peut être si on associe la carte de la maladie, peut-être faites attention, protégez-vous, hein, ça peut être une maladie transmissible. Hein. Pas d'imprudence les filles et vous messieurs aussi. On sort couvert bien évidemment. On nous parle du mois de septembre, peut-être une relation que vous avez eue à partir du mois de septembre. En tous les cas, on nous parle d'un as d'épée. Donc l'as d'épée, bon, c'est une très très belle carte, hein, c'est un as. On dit la vérité, on dit les choses, on tranche. C'est le commencement aussi, hein, l'as d'épée. Hein. Donc, peut-être une nouvelle relation, mais attention, hein, faites attention à la maladie, là. Hein. On nous parle d'ecclésiastique, on l'avait tout à l'heure avec le grand été là, et ça ressort avec monsieur,
Monsieur Papus. Donc l'ecclésiastique, c'est tout ce qui est lié à prêtre, la religion, donc la prière. Donc ça, c'est bien, on vous demande de vous recueillir, parfait. On nous parle de la lune. Alors là, la lune, moi, j'aime pas trop, parce que c'est les situations troubles, la famille, les choses qui sont difficiles. Donc on voit que vous êtes perturbé, donc on vous demande de prier. Pour justement... Non, c'est pas là. Qu'est-ce que j'ai fait ? Mais non, c'est pas ça, j'ai pas fait. Ah, moi je recommence pas, hein, vous le dis. On nous parle d'un signe du Verseau, mais c'est pas là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. Bon, c'est pas grave. Je me suis trompée, mais c'est pas grave. Pourquoi j'ai... Où ça j'ai fait ? Ah oui, d'accord, j'ai fait ça, moi. Bon, c'était quoi ? C'était le monde et après le monde. Bon, c'est pas grave. Si c'est fait comme ça, c'est que c'est fait comme ça. Donc je vais faire comme ça, je continue. Je suis désolée. Donc là, la lune, on nous parle d'ennemis cachés. Parce que j'aurais dû, après le monde, j'aurais dû prendre celle-là. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Si c'est fait comme ça, c'est fait comme ça. Donc, on nous parle de la lune. La lune, c'est quoi ? Bon, c'est vrai que moi, j'aime pas trop cette carte-là. Comme je vous le disais, c'est les situations troubles, la famille, les choses sont difficiles. Mais voyez, on vous demande de prier par rapport à ça. Allez, je continue. On nous parle de bourse d'argent. Donc, peut-être une situation qui vous tracassait concernant tout ce qui est lié aux bourses d'argent, tout ce qui est lié... à l'argent, tout ce qui est lié à l'économie. Donc là, il y a une situation, on a un as de denier, donc c'est déjà pas mal, mais il est à l'envers. Donc généralement, l'as de denier, c'est l'abondance, la rentrée d'argent, la promotion, le travail, l'héritage. Donc peut-être qu'il y a une situation qui est trouble par rapport à ça, concernant ce problématique de finances. On va regarder après et regarder. Vous voyez, si c'est comme ça, on a le soleil. Donc tout ce qui est problématique de finances, vous avez le soleil derrière. Vous voyez, il fallait que je le fasse comme ça, donc j'obéis. Donc là, vous avez le soleil. Donc là, on avait à la coupe, hein, le soleil. Donc tout ce qui est problématique d'argent, vous avez la réussite. Vous avez gain de cause. Donc je regarde si je ne me suis pas plantée vis-à-vis. Là, j'avais oublié, je vous avais dit tout à l'heure, il y a le Verseau. Donc on peut nous parler d'une situation difficile avec un signe du Verseau. Ça peut être un compagnon à vous, une compagne. Ça peut être vous, mes amis Verseau. Et là, on parle de poisson, du signe du poisson. On l'avait tout à l'heure. Hein. Donc, le soleil, c'est la réussite. Et là, waouh, on finit avec l'homme de justice. Donc, peut-être une procédure concernant, si vous êtes en procédure. Donc, on vous dit bien que là, il y a une situation qui va s'arranger. Vous avez le soleil juste derrière la justice. Donc là, vous allez avoir des bonnes nouvelles. On a un roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une personne qui est froide, qui est dans la communication, hein, qui est très cultivée, qui est dans la dureté, mais qui dit les choses. Donc, il y a quelque chose qui va être tranché, mais en votre faveur. Bon, bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc, vous inquiétez pas, hein, si j'ai inversé, c'est que je devais le faire comme ça. Et vous voyez, ça s'est terminé bien par rapport à l'argent, puisque vous avez la réussite. Tout ce qui est là, en fin de compte, pour tout le tirage, je suis à combien, 51 minutes, ça veut dire avec Monsieur Papus qu'il y a une situation, soit dans le domaine sentimental, soit par rapport dans le domaine financier, il y a une situation qui va être résolu. Et on vous demande de vous recueillir et de prier, bien évidemment. Et vous verrez, vous serez exaucé. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage, enfin tous ces tirages du tirage du destin vous aura parlé. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve bien évidemment pour votre tirage du jour du lundi 1er novembre. D'accord. Et puis, ben, passez un excellent week-end. Reposez-vous. Bon courage pour celles et ceux qui travaillent. Et puis, ben, moi, je ne sais pas si je vais sortir ce week-end parce qu'ils annoncent un temps pourri. Bon, j'adore l'automne, c'est vrai, mais avec le changement d'heure, waouh, il va faire nuit de bonheur maintenant. Donc voilà, je vous fais un gros bisou, prenez bien soin de vous, je vous aime, je vous kiffe, je vous love, je vous adore et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bon week-end.